Il se trouve que la Villa Cavrois fait partie du réseau du Centre des Monuments Nationaux, qui compte une petite centaine de monuments sur le territoire français. Il est particulièrement important pour nous de proposer des activités éducatives sur le site, pour une raison simple, c'est que les jeunes gens d'aujourd'hui sont les adultes de demain. On propose deux grandes catégories d'activités, les activités type visite-atelier, donc ça dure entre 1 heure et 2 heures et demie sur place. Et puis ensuite, on travaille beaucoup sous forme de projet, c'est-à-dire que les groupes vont venir plusieurs fois dans la semaine ou dans l'année pour faire un projet continu avec en général une restitution en fin de projet. Donc c'est une exposition, un film. Alors on accueille les visiteurs depuis l'école maternelle, en fait, jusqu'aux étudiants, donc ça peut aller jusqu'à des étudiants adultes. On accueille également les publics du champ social et puis les visiteurs en situation de handicap, avec des activités à chaque fois qui sont bien sûr adaptées à la catégorie de personnes et puis aux visiteurs en eux-mêmes en fonction de la demande du responsable ou des membres du groupe. Cette maison où nous sommes a connu des heures difficiles. Elle a été pillée, ravagée, presque détruite. Et donc, témoigner de cette histoire auprès des jeunes générations, les intéresser à ce patrimoine spécifique, qui est le patrimoine moderne ou moderniste, c'est sensibiliser les adultes de demain à l'importance de ce patrimoine bâti qui nous concerne tous. Le rôle d'un professeur missionné, c'est de servir de liant entre une structure culturelle, en l'occurrence la Villa Cavrois, et le corps des professeurs pour aider à des visites pédagogiques et à des activités dans un cadre pédagogique. Alors ma mission consiste à voir en quoi la Villa Cavrois est avant tout un objet plastique avec des formes, des couleurs et que l'architecture effectivement est un élément qui est valorisant aussi pour les élèves parce que ça participe de leur environnement avec des variétés de sujets à aborder. La Villa Cavrois est intéressante comme lieu parce qu'elle permet des activités, somme toute, très classiques. La visite d'un lieu comme on pourrait visiter un château, un musée. Mais c'est également un immense terrain de jeu qui permet d'inventer de nouvelles activités pédagogiques, que ce soit des reportages, des films, des constructions. C'est aussi une certaine ouverture culturelle puisque, évidemment, pour certains, ça permet de sortir un peu de leur quotidien, de découvrir pardon, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir en famille, avec leurs parents. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que parfois, on les voit revenir en famille parce qu'ils ont envie de faire découvrir ce qu'ils ont vu avec nous. On a une activité photo avec des lycéens qui va permettre en 2h30 aux étudiants de découvrir la villa, d'apprendre quelques éléments génériques sur les techniques de photographie, la manière dont on regarde l'architecture, et puis après il y a une phase pratique où par équipe ils vont déambuler dans la villa pour à leur tour faire des shootings. J'espère que ces activités, oui, permettent d'apporter aux jeunes une ouverture d'esprit, une curiosité, et puis également d'apprendre des notions également d'histoire de l'art, d'architecture.